Chers journalistes et hommes de communication, après cette parenthèse des vœux de bonne année 2020, je voudrais échanger ce mardi avec vous sur la gestion des dossiers de candidature. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme des élections législatives du 16 février prochain, la CENI a mis en place une commission de réception et de gestion des candidatures. Cette commission a travaillé pendant des jours, des semaines. À l'issue des travaux, la commission, la situation se présente de la manière suivante. Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, 29 partis politiques ont été retenus par la CENI, c'est-à-dire que chaque parti politique a présenté une liste de 76 candidats. Au scrutin uninominal majoritaire à un tour, 14 partis politiques ont été retenus. Autrement, pour briguer les suffrages dans les 38 circonscriptions, 14 partis politiques ont présenté des candidatures. Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, je vais citer maintenant les partis candidats. Chacun d'entre eux a présenté une liste complète et un dossier complet de 76 personnes. Le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, RRD. Rassemblement guinéen pour l'unité et le développement, RGUD. Force des intègres pour la démocratie et la liberté, FIDEL. Union démocratique de Guinée, UDG. Mouvement des patriotes pour le développement, MPD. Union des forces démocratiques, UFD. Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, RDIC. Parti pour la paix et le développement, PPD. Alliance pour le renouveau national, ARN. Parti guinéen pour la renaissance et le progrès, PGRP. Guinée pour la démocratie et l'équilibre, GDE. Je m'excuse. Parti pour la démocratie et l'équilibre, GDE. Nouvelle génération pour la République, NGR. Guinée unie pour le développement, GUD, GUD. Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG. Union des forces de changement, UFC. Nouvelle force démocratique, NFD. RPG arc-en-ciel. Rassemblement pour le peuple de Guinée, arc-en-ciel. Voilà. Union pour le progrès et le renouveau, UPR. Parti AFIA, AFIA. Rassemblement pour une Guinée prospère, RGP. Union pour la défense des intérêts républicains, UDIR. UDIR. Parti démocratique conservateur, PDC. Parti guinéen pour la renaissance, PGR. ADC BOC. Parti guinéen pour le progrès et le développement, PGPD. Génération citoyenne, GCI. Alliance pour le renouveau national, ARENA. Parti démocratique de Guinée, Rassemblement démocratique africain, PDG-RDA. Voici les 29 partis qui ont postulé pour la liste nationale. Maintenant, les partis qui ont demandé la candidature à l'uninominal, nous allons prendre par circonscription électorale. Circonscription électorale de Kaloum, il y a là trois partis. Guinée
pour la démocratie et l'équilibre, GDE, Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. À Matam, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. À Dixin, Union démocratique de Guinée, UDG, Guinée pour la démocratie et l'équilibre, GDE, Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG, Union pour le progrès et le renouveau, UPR, Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel. Matoto, Union pour la défense des intérêts républicains, UDIR, Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, Rassemblement pour la renaissance et le développement, RRD, Ratoma, Rassemblement pour la renaissance et le développement, RRD, Guinée pour la démocratie et l'équilibre, G2E, Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG, Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, Union pour le progrès et le renouveau, UPR, Boké, Union démocratique de Guinée, UDG, Guinée pour la démocratie et l'équilibre, GDE, Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, Koundara, Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, Gawal, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel, Bofa, Union démocratique de Guinée, UDG, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel, FRIA, Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG, Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, Kindia, Union démocratique de Guinée, UDG, Guinée pour la démocratie et l'équilibre, GDE, Nouvelle génération pour la République, NGR, Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel. Dubreka, Union démocratique de Guinée, UDG, Guinée pour la démocratie et l'équilibre, GDE, Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Koya, Union démocratique de Guinée, UDG, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Furikaria, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Télimilé, Union pour le progrès et le renouveau, UPR, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Mamou, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Dalaba, Union des forces démocratiques, UFD, Union pour le progrès et le renouveau, UPR, Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. PITA, Nouvelle force démocratique, NFD, Union pour le progrès et le renouveau, UPR, LABE, Union des forces démocratiques, UFD, Union pour le progrès et le renouveau, UPR, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel, Tougué, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel, Mali, Union pour le progrès et le renouveau, UPR, Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel, Oubia, Union pour le progrès et le renouveau, UPR,
Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Les Louma. Union pour le progrès et le renouveau, UPR. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Farana. Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Kissidougou. Union des forces démocratiques, UFD. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Daboula. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Dingiraï. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Kankan. Alliance des forces du changement, AFD. Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG. Union pour la défense des intérêts républicains, UDIR. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Kouroussa. Rassemblement pour la renaissance et le développement, RRD. Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Sigiri. Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Mandiana. Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Kerouani. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Zérékoré. Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Guékédou. Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, RDI. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Massanta. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Lola. Union démocratique de Guinée, UDG. Parti Nouvelle Vision, PNV. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Beyla. Mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG. Parti démocratique conservateur, PDC. Rassemblement du peuple de Guinée, Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Yomou. Parti démocratique conservateur, PDC. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel, Nouvelle Génération pour la République, NGR. Au plan, disons, légal, il est à préciser que le président de la CENI publie par décision la liste des candidatures retenues au plus tard 39 jours avant le scrutin. Et en cas de contestation, un contentieux sur la liste de candidatures est ouvert au niveau de la Cour constitutionnelle si elle est saisie par une des parties qui se sent lésée après la publication, et ils ont 48 heures pour le faire. Et la Cour constitutionnelle a 48 heures statut sur 48 heures de sa saisine. Je voudrais aussi vous informer que juste après la gestion des candidatures, la CENI va lancer dans les prochaines heures les missions d'affichage des listes provisoires sur toute l'étendue du territoire national pour permettre aux citoyens de vérifier leur inscription effective. S'il n'y a pas d'erreur dans la transcription de leurs données alphanumériques,
ainsi que tout ce qui va avec. Donc, au terme de cette opération, tous les inscrits auront l'occasion de faire corriger leurs données alphanumériques dans les commissions administratives d'affichage et de correction des listes provisoires. Ça, c'est vraiment une recommandation, enfin, une imposition de la loi, que tous les citoyens puissent venir voir dans les listes provisoires ce qui ne va pas, et puis faire remonter ça au niveau de la commission pour que la commission puisse corriger et faire remonter à la base. Comme ça, on aura un fichier complet avec lequel on va aller. Avant de vous laisser la parole pour les questions, je voudrais encore vous assurer de l'indépendance et de la quiétude au sein de la CENI et son profond attachement au respect de la loi et de son professionnalisme. Nous nous attachons au respect du chronogramme que nous-mêmes nous sommes définis et toutes ces opérations vont être conduites ou sont en train d'être conduites dans les règles de l'art et dans le strict respect des procédures. Voilà ce que je pouvais dire. Vous avez à présent l'ensemble des candidatures que maintenant il va sans dire qu'on parle de les candidatures qui n'ont pas été retenues. Au risque de me tromper, je crois qu'il y a sur la liste nationale, à la représentation proportionnelle, il y a deux partis qui n'ont pas été retenus. Au scrutin uninominal, bon, cela pour diverses raisons hein, que nous n'avons pas citées ici. Au scrutin uninominal, la majorité a un tour. Il y a trois partis qui n'ont pas été retenus par la commission de la CENI et par le président de la CENI pour les raisons évidentes du manque de respect de la loi. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. À présent, nous allons ouvrir la CENI. J'aurais voulu me passer de cela parce que je ne suis pas tellement rassurer s'ils ont reçu les notifications. Tant qu'ils n'ont pas reçu de notification, je ne peux pas rendre leur nom public. Les notifications sont parties hier. Les notifications de rejet de leur candidature. Maintenant, si j'ai le retour, je peux publier ces noms. Mais les raisons, pour certains, c'est le manque de paiement du cautionnement. Pour d'autres, c'est des dossiers incomplets qui nous sont parvenus. Il y a même d'autres qui nous ont envoyé des candidatures, déclarations de candidature non signées. Donc, c'est des choses que la loi exige. Certains ont déposé la demande de la déclaration de candidature, mais ça n'a pas été suivi de dossier des candidats. D'autres ont déposé des listes incomplètes au lieu de 76. Ils ont déposé des listes de personnes, moins de 116 personnes. Donc, voilà, c'est pourquoi je me suis limité à dire que c'est pour des raisons de non-respect de la loi. En réalité, il y a diverses raisons. C'est vrai que j'ai expliqué que, sauf des raisons externes à l'institution. Sinon, techniquement, la CENI est prête à aller aux élections le 16 février. Donc, cela n'a pas changé. Nous sommes encore dans les starting blocks. Nous continuons notre marche vers, je vous ai annoncé tantôt, l'affichage des listes électorales, le découpage électoral, c'est-à-dire la mise en place des bureaux de vote et le logement de chaque électeur dans un bureau de vote de son secteur va se réaliser dans la même période. Donc une mission va quitter entre demain, jeudi ou vendredi pour cette mission-là. Donc nous espérons que
tout cela va se tenir. Nous espérons aussi qu'il n'y aura pas de raison externe à la CENI qui va empêcher les élections de se tenir le 16. Bon, il n'était pas prévu que M. Gaïa se prononce au cours de cette conférence de presse et il n'est pas question qu'il se prononce sur les questions politiques relevant uniquement des questions nationales. Ça, la participation ou non d'un parti politique aux élections relève peut-être des politiciens, pas des experts techniques qui nous accompagnent. Si c'est des questions techniques, je permets naturellement que M. Gaïa puisse se prononcer là-dessus, mais des questions d'ordre politique relèvent des politiques. Laissons ça aux politiques. Maintenant, sur les fichiers. Il y a une question technique qui dit est-ce que c'est tenable le 16 février ? Ça, c'est technique. Non, il dit sans la participation. Sans la participation de l'UFDG, de l'UFR, de cross-porture politique de l'UFR. Donc la sphère politique de parce que, monsieur le président, à part du RPG, les brochettes des partis que vous avez déclinés devant nous ne sont que des petits partis de ce pays. Est-ce qu'on peut parler de la criminalité? Nous organisons les élections de la République de Guinée selon la Constitution et les lois, la loi électorale. Dans la période indiquée pour cela, nous recevrons des candidatures des partis qui veulent concourir. À ce niveau, il faut marquer la liberté démocratique d'aller aux élections ou pas. Et nous nous organisons entre ceux qui veulent concourir une élection que nous voulons transparente, inclusive et qui sera acceptée de tous les candidats. Non, que vous vous trouviez qu'il y a petit parti ou grand parti, selon les textes de loi, je n'ai pas vu les traces de cette mention. Madame la patronne. Madame, vous pouvez. Ah, ok. Oui. Merci. D'accord, merci monsieur le président. Donc un peu de. On peut l'aider. Non, mais. Tout est possible à notre niveau ici. Merci monsieur le président. Les statistiques, vous allez recevoir un communiqué aujourd'hui. Et ça va être le jeudi. Mais attendez le communiqué, vous serez invité à la présentation des statistiques désagrégées du fichier électoral guinéen. Merci. Oui, Mouta. Oui, qui d'autre veut prendre la parole? Oui, allez-y. Allez-y. Utilisez le micro juste dans les environs. Merci, je suis Abdelmalik Diallo, je travaille pour le site guinée360.com et le journal populaire. Ma question, monsieur le président, vous avez parlé tout à l'heure de l'affichage, pré-affichage du fichier électoral. Vous devez savoir quel est le délai, c'est combien de jours? L'affichage des listes provisoires, des listes électorales provisoires, dans le cadre de la préparation du fichier électoral, est encadré par la loi et cet affichage doit durer 15 jours, 2 semaines, pour permettre à nos concitoyens d'aller vérifier s'ils leur ont. Mais j'aimerais aussi que vous en fassiez vraiment des points pour informer l'ensemble des Guinéens que nous avons affiché les listes et qu'ils doivent venir voir si leur nom et leur prénom sont bien inscrits ou
s'ils figurent ou non sur la liste électorale. Hein, ça va prendre le temps que ça va prendre. Légalement, c'est 15 jours, mais nous accordons cela à cette opération. Oui, alors après le préaffichage, il y aura certainement l'affichage. Et ça va durer combien de jours? Vous vous trompez complètement sur cette question. Il y a l'affichage des listes provisoires. C'est tout ce qui est inscrit dans la loi. Les questions ce qu'on a appelé dans le passé pré-affichage était un moyen de mobiliser les citoyens autour du fichier pour que, avant d'aller à la révision, les uns et les autres puissent venir voir s'ils sont inscrits ou s'ils ne sont pas inscrits, à quel niveau est-ce qu'il faut s'adresser. Mais cela n'a pas cours, ça n'existe nulle part dans la loi. Ce qui est inscrit dans la loi, c'est l'affichage de la liste provisoire. Il n'y a pas de préaffichage.